Il ne me reste plus beaucoup de temps, je le sais. J'ai passé ces 17 ans à tout mettre au point, à planifier, à construire mon arc. Parce que je savais ce qui allait se passer et qu'on ne pouvait pas l'empêcher. Mais ce que j'ai créé a été retourné contre moi. Pourquoi est-ce que je devrais les sauver si je ne peux pas leur faire confiance? La souffrance et la colère m'envahissent peu à peu. La maladie est en train de gagner du terrain. Le RCC... il m'a coûté tellement cher. Mais j'ai su dompter sa puissance. Et c'est grâce à lui que mon plan va fonctionner. Que je maintiendrai une lueur d'espoir quand le monde sombrera dans le chaos. Monsieur Seren, désolé de vous déranger, mais j'ai le rapport de nettoyage du labo du Dr Kim. Je vous rejoins à mon bureau, soldat. Je verrouille la salle du RCC et j'arrive. Explosion du labo. Mon traitement parti en fumée. Chaque chose en son temps. Je dois verrouiller la salle. Le RCC est en sécurité. Ah, monsieur Seren, je suis dans votre bureau. J'arrive tout de suite. Seren, terminé. Ce soldat ignore que je n'en ai plus pour longtemps. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de... devenir l'ennemi. Et de ce que cela entraînerait pour moi et pour le plan. Ça envahit... Ah ! Et je ne sais plus à qui me fier. Martin Hatch, toutes ces années, il s'est servi de moi. À quel point mon entourage est-il gangréné? Combien m'ont trahi? Il voulait que la capsule temporelle échoue. Pourquoi? Monsieur? J'arrive, soldat. J'ai vécu des années dans le passé. Dans le confort de savoir ce qui allait se produire. Des années pendant lesquelles j'ai planifié et construit. Et voilà le résultat. Au rapport. Monsieur. Vous vouliez qu'on passe le labo en ruine au peigne fin. Vos traitements ont tous été détruits. Tous, sauf un. Le conditionnement a l'air cassé, mais... c'est tout ce qu'on a trouvé. Mon dernier traitement... mais il est endommagé. Est-ce que je peux l'utiliser? Monsieur... j'ai pas compris. Ou est-ce que c'est un piège? Une nouvelle trahison. Ce traitement va m'affaiblir. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Est-ce que je peux faire confiance à qui que ce soit? Je ne suis pas un traître. Nous voulons la même chose. J'ai besoin de vous. Je peux me focaliser sur la mission, la capsule temporelle, mener mon plan à son terme. Il reste des personnes en qui je peux avoir confiance. Tu dois comprendre que c'est pas toi qui va m'empêcher d'accéder au RCC. C'est ta dernière chance de faire demi-tour, Joyce! Liam Burke. Il se battrait pour nous défendre, pour ralentir Jack. Le plan peut encore marcher. Vous m'avez tous trahi.
Vous avez causé ma perte. Je vais m'assurer que vous allez tous tomber. Avec moi. Mon monde va renaître. Mon monde va connaître l'équilibre. C'est le chaos. Tout s'écroule. Ils complotent contre moi. Ils se battent entre eux. Vous devez vous rendre dans le bureau de Seren. Il y a un accès direct au RCC. C'est bon ? Joyce répare la fracture, il remet le monde sur pied et on rentre tous chez nous avec le sourire. Charlie Wincott. Encore un lâche. Un traître de mèche avec Jack. Je peux les faire souffrir. Tous autant qu'ils sont. Monsieur ? Ce sera tout. J'arrive tout de suite. Allez, en paix. Oui, monsieur. Je sens que j'ai les idées plus claires. Je suis plus calme. Mais ça ne durera pas longtemps. Je dois me dépêcher d'agir. Tant que c'est encore possible. La piscine Bradbury. Paul Seren a perdu la raison. Il y avait mon traitement. Il a déclenché une catastrophe. Je ne donne pas 8 heures avant que le champ de Joyce s'effondre. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. C'est là que nous intervenons. Bonsoir, docteur Amaran. Plus que 5 minutes, monsieur Hatch. Je suis venu vous libérer, mon ami. Il est temps pour vous de rejoindre les autres, de retourner à l'infini. Mais ce qui me perturbait, c'est qui leur avait donné accès au labo de Kim. Elle est passée, quelques minutes avant l'explosion. Sophia est loyale. Si la fracture se produit maintenant, je lui dois ça. Docteur Holden, le protocole a été lancé. Liam ? Oui. J'ai des informations à propos de Martin Hatch. Je veux que vous l'appréhendiez immédiatement. Docteur Amaral, vous êtes blessé ? Où est Paul ?
Je dois parler à Paul. Suis-moi. Paul. Sophia. Tu l'as lancé? Tu avais raison, il était temps. Paul, est-ce que tu as pris ton traitement? Tu le sais, tu ne peux pas t'en passer. Va à la capsule temporelle. Non, tu dois venir avec moi. Tu dois lancer les recherches, on a besoin de toi. Vas-y, Sophia. Tu veux bien? Vas-y, je te rejoindrai. Commandant Pierce, préparez l'hélicoptère. Je dois me rendre à la piscine. Tout de suite, monsieur. Tu m'entends, c'est Fiona. Est-ce que tu me reçois? J'ai besoin de toi. Bess, c'est Fiona. Est-ce que tu me reçois? Bess, ça n'a pas marché. Je suis désolée. Je n'ai pas trouvé le protocole. Fiona Miller ? Oui, c'est moi. Ici Jack Joyce. Bess m'a dit que vous travaillez ensemble. Vous êtes peut-être la seule alliée qui me reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérène. J'ai vraiment rien pu faire. Mais Fiona, on peut encore faire quelque chose. Je dois trouver un objet. Que Will appelait la contre-mesure. Ça a 12 côtés, c'est petit et métallique. Ça ressemble à un ballon de foot. Le RCC. Le quoi? Le régulateur de champ de Cronon, c'est la contre-mesure. Alors ça peut réparer la fracture. Ah.
Allez, reculez. On va fouiller le cabinet de restauration, alors reculez. Avancez, s'il vous plaît. Allez-y, avancez. Entrez, messieurs, dames. C'est vraiment beau, c'est pas du tout. J'en sais rien. Ouais. T'en fais pas, tout ira bien, je t'assure. Il faut que je te parle. Écoute, j'avais tort. D'accord ? Jack Joyce. Il peut utiliser le RCC pour réparer la fracture, on doit le lui apporter. C'est le RCC qui alimente cet endroit en ce moment, Fiona. Oui, mais je lui ai parlé. J'ai parlé à Jack Joyce et il en a besoin. Écoute, si tu laisses Joyce utiliser le RCC, on peut dire adieu à la capsule temporelle. Non, écoute, ce n'est tous pas, les gens ce qui n'est sont pas ici, ce que... ils peuvent trouver une solution, ils peuvent réparer la fracture. C'est ce que tu de voulais quoi au tu départ, parles, non Charlie, tu oublies qu'il s'agit de Monarch, d'accord? C'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Tu crois vraiment qu'ils en ont quelque chose à foutre de nous? Fiona, tu te rends compte de ce que tu me demandes? À
Alors c'est quoi le plan quand on arrive à Monarch? On doit trouver un moyen d'accéder à la capsule temporelle. Liam, qu'est-ce que tu fais? Liam, tu dois t'arrêter! Monsieur. Monsieur, c'est Liam Burke. Il essaye de s'introduire dans Monarch. Allez! Se trouve le RCC, mais... Jack, c'est Charlie, écoutez-moi. Il est en haut de la tour Monarch. Vous allez devoir suivre mes instructions à la lettre. Jack? 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 Fiona, Jack! Non, non, non. Écoute. Le niveau de sécurité dans cette zone est totalement dément. Il arrivera jamais à entrer. Hé, attends! Où tu vas? Je dois aller jusqu'au bout. Je sais, Fiona, mais c'est moi qui devrais y aller. Les défenses du RCC, il arrivera jamais à les franchir tout seul. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Toi, tu dois rester ici. Tu seras bien plus utile, je t'assure. Moi, je sers à rien. Je suis juste un serrurier surdiplômé. Pourquoi tu laisserais pas quelqu'un d'autre jouer le rôle du héros? Ok, Terreur? On a toujours besoin d'un informaticien, Charlie. Va te faire voir. Charlie, tu ferais un bon petit copain. Je sais. Cage d'escalier, K. Quelle est votre position? Vous savez qui je suis? Je vous connais. Vous êtes l'un de nos meilleurs agents. Mais aussi un traître, à ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas un traître. Je sais ce que vous voulez. Vous protégez ce qui vous appartient. Moi aussi, je veux protéger ce qui m'appartient. Nous voulons la même chose. Alors, j'ai besoin que vous m'aidiez. Comme vous avez besoin de mon aide. Vous cherchez la capsule temporelle? C'est bien ça? Vous savez ce qui va se passer? J'ai une équipe avec moi ici. Ils vont réparer la fracture, et le temps, lui, suivra son cours. Mais pas si on ne protège pas le fameux RCC. Qu'est-ce que c'est? C'est notre clé. C'est ce qui rend la capsule possible. C'est ce qui l'alimente. Mais mes ennemis veulent le détruire. Vous pourriez le protéger. Et quand tout sera fini, votre femme pourra vous attendre quelque part. Je peux l'emmener avec moi. Elle survivra. Liam, de quoi est-ce qu'il parle? Laisse-moi juste. Pensez à ce qui se passera si personne ne nous protège. Aucun de nous ne sera épargné. –
capsule temporelle. Et je te rejoindrai quand ce sera fini. Vas-y. Mais pars. Va avec lui. En haut de la tour Monarque, vous trouverez le RCC et une tenue de soldat. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Ce que votre mari fait pour vous... Mes amis, nous avons changé les choses. Le monde, l'univers. Nous sommes les premiers êtres suffisamment puissants pour défaire la trame même de ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, nous devons croire en notre capacité à remettre les choses en ordre. Nous avons tous fait des sacrifices. Tous. Mais nous devons passer outre notre propre intérêt. Nous sommes là pour nos familles, pour l'humanité, pour changer le cours de l'histoire, pour entrer dans la légende, en ce lieu, et sans attendre. D'autres affaires requièrent ma présence. Je vais donc devoir vous quitter. Mais je sais que vous allez réussir. Allez, vas-y. C'est bon. Joyce, les défenses du RCC sont désactivées. À vous de jouer. On compte sur vous. Éloigne-toi de ce truc! Je peux pas, Liam! Je peux pas, Liam! Dégage cela! Dégage! Joyce en a besoin. Joyce peut réparer la fracture, Liam. Il faut que tu dégages de là, Charlie. Je n'irai nulle part. Tire-toi de là. Je ne bougerai pas, vous allez devoir me tuer pour de bon. Vous allez devoir me tuer. Parce qu'à cet instant, Liam, je pense pas seulement à moi. T'as aucune idée de ce que Joyce va faire. Non, c'est vrai. Mais j'ai confiance en Fiona. Et elle croit en Joyce. Alors je dois y croire aussi.
Réfléchissez à ça. Si vous réparez la capsule, vous sauvez votre femme. Et si on répare la fracture, on sauve tout le monde. Ok, allez-y. Allez-y, tuez-moi. Ça changera absolument rien. Mais si vous tuez Joyce... Votre perception, Liam, elle est déformée. Le monde que vous connaissez. Ce monde va disparaître. Mais la fin d'un monde n'est que le commencement d'un autre. Mon monde connaîtra un nouveau départ. Mon monde connaîtra l'équilibre.